Voici un tableau du XIXe siècle qui fait partie d'un retable d'une église. Cette œuvre a été confiée aux ateliers Montsarrat de Montmorency en vue d'une restauration complète. Cette restauration sera assurée par Catherine Montsarrat, restauratrice conservatrice agréée patrimoine. Avec elle, nous découvrirons toutes les étapes de la restauration esthétique de cette œuvre. Nous sommes en présence d'un tableau religieux du début du 19e. C'est une peinture qui est peinte sur une toile de lin faite de deux morceaux. Ce tableau était enchâssé dans un retable d'une église, le retable principal d'une église. Il représente la déposition du Christ. Nous voyons en premier plan le corps du Christ dans les bras de Marie, en position de Pietà. Elle est entourée de ses sœurs, les trois Maries, ses deux sœurs en prière et Marie-Madeleine, que vous voyez ici au milieu, en pleurs. Derrière le premier plan de ces femmes, de ces saintes femmes, nous avons quatre personnages masculins dont nous reconnaissons Saint Joseph d'Arimathie qui tient le linceul qu'il a acheté et Nicodème qui a descendu le corps du Christ de la croix et qui tient encore les clous de la crucifixion. Nous voyons aussi deux personnages à l'arrière-plan que je ne peux pas identifier. Ensuite, ces personnages sont devant le Saint-Sépulcre et nous avons dans la trouée bleutée le Golgotha avec les trois croix et en arrière-plan la ville de Jérusalem. L'œuvre a subi de gros dommages dus à l'humidité du lieu et aux différentes températures, sachant que la température idéale d'une œuvre doit se situer entre 18 et 20 degrés avec une humidité relative de 50%. Cette œuvre a déjà été restaurée et quand elle est arrivée à l'atelier, il subsistait des lambeaux de rentoilage. Donc nous avons procédé à sa restauration aussi bien curative que préservative pour mettre l'œuvre entièrement hors de danger avant de commencer la restauration esthétique que nous allons voir ensemble. La restauration esthétique va se faire sur l'ensemble du tableau. Nous allons rentrer dans le cœur de la couche picturale, proprement dite. Nous allons travailler sur, bien sûr, les blessures de l'œuvre, les manques de la toile originale, ceci, comme ceci ou comme ceci, la toile que vous voyez étant la toile de rentoilage. Et nous allons aussi travailler sur ces lacunes de peinture, étant donné que la peinture s'est effritée, est partie, a disparu. Mais il reste toujours la toile originelle. Je vais vous expliquer maintenant en quoi va consister la restauration esthétique. Elle va se faire en plusieurs points. Un premier point, étant donné que notre œuvre a été rentoilée à la cire, nous allons retirer le surplus de cire de la surface. Si je ne fais pas cet acte, tous les actes suivants ne pourront pas se faire correctement. Voilà, je retire cette couche légèrement brillante de cire centimètre par centimètre en tournant bien mon coton. Nous allons procéder au retrait de la cire sur le visage de la Vierge et ce procédé sera bien sûr exécuté sur l'ensemble du tableau. Vous voyez, nous commençons à voir apparaître
certains détails. Avant de commencer toute intervention, nous allons passer notre tableau sous lumière ultraviolette. Cette lumière va nous faire découvrir les repeints antérieurs, c'est-à-dire la restauration antérieure, et aussi de voir la qualité des blancs. Si nous sommes en présence de blanc de plomb, de blanc de zinc ou bien de blanc de titane. Et ça nous permet aussi à peu près de dater notre tableau. Voilà, nous sommes sous lumière ultraviolette et nous pouvons remarquer des taches brunes qui représentent en fait les repeints de retouches antérieures. Je vais faire le balayage sur le torse du Christ et vous pouvez remarquer les différentes restaurations qui ont été faites jusque sur ses jambes. Il y en a un peu partout, y compris sur le personnage d'une des sœurs. Nous remarquons aussi les manques de peinture sur son visage. La couleur générale un petit peu jaunâtre, ce vert jaune que vous pouvez remarquer, c'est la présence du vernis. Nous annotons aussi que les blancs de la coiffe de la Vierge est extrêmement clair, donc nous sommes en présence de soit un blanc de plomb ou soit un blanc de zinc. Nous allons procéder au nettoyage. Ce nettoyage va consister à un décrassage de surface avec des produits à queue suivant le pH de surface de notre œuvre. Selon son pH, soit acide, soit basique, j'emploierai des produits soit basiques, soit acides. Alors, avant notre décrassage, nous allons chercher le pH de la surface de notre tableau. Ceci afin de trouver la bonne solution aqueuse qui va correspondre à ce pH. Nous allons procéder ensemble à cette recherche. Pour connaître le pH de ma surface, je positionne une petite goutte d'eau qui va se remplir et avec une petite languette de pH, je vais savoir si ma surface est acide ou basique. Voilà, et nous sommes en présence, voilà, d'un pH autour de 6. Donc légèrement, très légèrement acide. Vous voyez, nous sommes entre les deux. Étant donné que l'eau a un pH neutre de 7. En conséquence, je vais pouvoir préparer ma solution aqueuse au pH correspondant à la surface de mon tableau. Voilà, nous avons commencé notre décrassage avec la solution aqueuse basique, puisque la surface étant légèrement acide, nous avons trouvé une solution aqueuse légèrement basique afin de retirer la crasse de notre tableau, de la surface de notre tableau. Vous voyez la différence? Nous sommes donc sur le vernis encore, il y a encore des traces de vernis, nous voyons encore plus les repeints et cette partie n'est pas nettoyée. Vous voyez la différence entre les deux parties après un nettoyage. Quand ce nettoyage sera exécuté, je procéderai à un allègement de vernis. Cet allègement de vernis pourra se faire par strates. Un premier allègement sera fait, puis ensuite un second, ce qui me permettra de mieux maîtriser le retrait de ce vernis.
Une fois le retrait de ce vernis, je garderai un micron, si vous voulez, de vernis originel et je pourrai entamer la suite de ma restauration. Avant de commencer notre allègement de vernis, je vais procéder à différents tests de solvants ou de mélange de solvants sur la surface de mon tableau à l'aide de fenêtres test que je vais vous montrer. Voici les fenêtres test de mes différents solvants que j'ai testés sur les chairs, sur les différents bleus et verts, sur les rouges et sur les blancs. Donc nous venons de finir notre allègement de vernis. Lors de cet allègement, nous avons dégagé les repeints, les anciens repeints des restaurations esthétiques précédentes. Et nous avons découvert de magnifiques détails et de très jolies couleurs, notamment les bleus de l'habit de la Vierge, de sa robe en bleu clair et de son manteau en bleu foncé. Nous avons aussi retrouvé des très jolies roses carminées de l'habit de Joseph. Ensuite, le personnage entre les deux personnages principaux, nous avons découvert qu'il avait beaucoup moins de barbe et portait plutôt une barbe courte. Nicodème, quant à lui, nous avons dégagé sa tête qui est fortement accidentée, mais beaucoup plus allégée, avec de jolis détails de lumière et de rayons de lumière. Mais aussi, nous avons découvert qu'il avait des cheveux. Et par contre, ses mains restent très très abîmées. Sur le visage de Marie-Madeleine est très abîmée, comme vous pouvez voir. Parce qu'elle a été entièrement repeinte, ses cheveux, son cou a été repeint, son habit aussi. Et puis nous attarderons sur la main aussi d'une des Maries, les mains en prière, qui étaient bicolores, à la fois orange et rose. Et nous avons découvert, quand nous avons retiré, de très jolies jointures, très très bien peintes. Nous pouvons dire que grâce à cet allègement de vernis, nous avons retrouvé de jolies couleurs. Donc nous allons procéder au masticage. Pour ce faire, nous avons mis l'œuvre sur une table à plat. Le masticage va consister à remettre à niveau les manques, au même niveau que la couche picturale originelle.
Pour ce faire, nous avons besoin d'une lampe en lumière rasante qui va nous permettre de voir exactement si le mastic que nous allons poser est bien raccord avec le niveau de la couche colorée originelle. Voilà, nous malaxons bien ce mastic pour qu'il soit bien homogène et nous allons boucher les manques. Nous procédons donc dans un premier temps à un masticage de fond. Et dans un second temps, selon la zone empâtée ou non, nous procéderons à un masticage de forme. Voilà, vous voyez, je retire l'excédent pour aller jusqu'au bord du manque. C'est capital pour avoir un manque bien bien net. Voyez, même les plus petits manques. Alors en effet, j'ai débordé parce que voilà, c'est je peux pas faire autrement. Mais même les plus petits manques ont été mastiqués. Voilà, je vais procéder au masticage du visage. Alors, il ne faut pas négliger un masticage parce qu'un mauvais masticage me donnera de mauvaises retouches. Parce que si j'ai mal mastiqué, même avec des bonnes retouches, ce mauvais masticage se verra. Donc il est très très important, il demande beaucoup de temps et de minutie. D'autant plus sur un visage. Voilà. Alors là, l'œuvre est très chahutée parce que je suis sur la toile originelle dont le tissage est très très abîmé. Voilà, comme nous avons vu précédemment sur le fond, je vais retirer le surplus de mastic afin de retrouver les écailles et le fond original. Voici notre tableau après notre masticage. Et voici le tableau après le retrait de nos débordements de mastic. Nous
Nous venons de finir nos mastiques de fond et de forme et nous allons commencer notre premier vernissage. Ce premier vernissage va nous permettre d'isoler ces mastiques de nos retouches parce que nos mastiques restent poreux et risquent de rendre nos retouches trop mates. Pour ce faire, nous allons procéder à un passage au tampon de notre vernis. Il va se faire avec un petit ballot de tampon, comme ça, de mèche de coton. Et je vais pouvoir vernir tout mon tableau en le massant. Ce procédé va nous permettre de saturer aussi les couleurs de notre couche colorée et de la nourrir. Voilà, je passe le vernis à l'aide de ce bouchon de mèche, ce qui me permet de saturer les couleurs de notre tableau, de découvrir les véritables couleurs de ce tableau. Notre couche de vernis étant sèche, nous allons pouvoir commencer notre réintégration colorée sur nos manques mastiqués. Je vais utiliser une peinture spéciale, une peinture agréée musée. C'est une peinture de restauration et cette peinture a la particularité d'être une peinture au vernis.